Bonjour, je m'appelle Michel Hippon et je suis enseignant de lettres, pratiquement en fin de carrière, on peut le dire. Mon parcours est relativement classique, puisqu'après un baccalauréat littéraire, j'ai fait des études de lettres et je n'ai jamais quitté l'école, pratiquement, puisque j'ai été enseignant depuis quelques dizaines d'années. Mon parcours, évidemment, les études qui ont été les miennes m'ont amené à vivre dans l'espace littéraire. Car enseigner la littérature, c'est d'abord aimer la littérature, tenter de la faire partager à d'autres, et c'est aussi, de temps en temps, après de nombreux dialogues avec les auteurs, tenter soi-même de s'engager dans leurs pas, ou alors de tenter de faire voir un peu mieux les auteurs. Car en réalité, je serais plutôt quelqu'un qui écrit sur ce que les autres ont écrit. Je serais plutôt quelqu'un qui veut jouer un rôle de passeur entre les écrits des auteurs, des créateurs, et un public qui n'est peut-être pas suffisamment averti pour recevoir toute la densité et toute la complexité de ce message. C'est ce qui m'a amené, de manière un peu marginale, un peu en franc-tireur, à développer depuis une trentaine d'années une production de critiques, en particulier de critiques consacrées à la littérature antillaise. Je dirais à la jeunesse guadeloupéenne trois mots. Lisez, lisez encore. Voilà le message que je leur ferai passer.